Guingamp 5e avec Yancy 17e. Les Guingampais ont un petit peu ralenti après deux victoires. Ils restent sur 2-0 à 0 consécutifs. Barthelmé, Livolant et Courtet vont essayer de retrouver le chemin des filets. Annecy de son côté reste sur deux défaites après deux victoires et trois nuls. Le promu a tout de même réussi une bonne série qui lui permet de ne plus être tout en bas du championnat. Cachy, Bozetti et Saïdion sont titulaires. Premier but en faveur de Guingamp, refusé. Courtet comme une faute selon l'arbitre et pas de but guingampais. Annecy a eu chaud sur cette action mais réagit assez vite avec ce ballon mal dégagé par les Bretons. Et un joli mouvement dans la surface. Moïse Saïdion se retourne pour marquer le but du 1-0 à la 36e minute. De Moncy trouve parfaitement l'attaquant prêté par le Racing Club de Strasbourg. Moïse Saïdion marque son troisième but de la saison et Annecy crée la surprise. Pas suffisamment d'attaque à Guingampaise en première période et Annecy continue à aller de l'avant. Nouvelle opportunité avec cette reprise à bout portant de Moïse Saïdion. Le doublé était tout proche. Les Bretons doivent faire très attention. Annecy croit en ses possibilités, mène déjà au score. Et continue à offrir des mouvements collectifs de qualité. Un de plus ici, mais un tir sur Enzo Basilio. Bilmaz ne parvient pas à conclure cette superbe percée. La remise de Demoncy était magnifique. À la mi-temps, Annecy mène 1-0 sur le terrain de Guingamp. Guingamp doit absolument réagir en seconde période. Le retour du vestiaire est plutôt bon avec cette possibilité. Le centre, la reprise sur le poteau. Énorme possibilité pour Gaëtan Courtet. Suite au centre de Gaudin. Dommage pour en avant. Mais les Bretons ne se découragent pas et continuent à croire en une égalisation rapide. Un petit peu de puissance pour porter ce ballon. Puis ce tir enroulé sur la barre transversale. C'est terrible pour Guingamp. Un poteau, puis une barre. C'est bien la chance des Indéciens. Pas de réussite ici pour Barthelmé. Ça ne veut pas sourire pour les Guingampais qui enchaînent les minutes sans marquer. Annecy a laissé passer l'orage. Il récupère la balle pour aller marquer le but du 2-0. Ça fait très très mal. Kevin Testu marque le but du 2-0, bien servi par Spano à la 82e minute. Annecy a résisté avec son 1-0 et double la mise avec le premier but de cette saison de Kevin Testu. L'entrée de Baptiste Guillaume à la place de Chipembe n'a pas révolutionné l'attaque de Guingamp. Les Bretons n'ont pas marqué et se font punir sur cette contre-attaque. Ça devient beaucoup plus compliqué pour Guingamp et Annecy sent qu'il y a moyen d'en profiter. Ballon récupéré encore une fois pour ce tir sauvé par Basilio. Mais l'action n'est pas terminée. La talonnade de Spano pour trouver Ahmed Kachi. 3-0 à la 87e minute. Énorme performance pour Annecy qui enchaîne les buts. Premier but de la saison pour Ahmed Kachi, l'un des joueurs d'expérience dans cette équipe d'Annecy. La victoire est désormais certaine à ce moment-là. Deux passes décisives pour Spano sur le deuxième et le troisième but de son équipe. Et ça n'est pas terminé. Annecy continue à aller de l'avant. Le promu est déchaîné. Et cette fois-ci, Spano ne passe pas le ballon. Il est servi par Chamal pour marquer lui-même le but du 4-0 dans le temps additionnel de la partie. Quel match de Romain Spano. Deux passes décisives et un but. Une performance de choix alors qu'il est entré en cours de match sur le terrain. C'est son premier but de la saison. Il marque le dernier but de cette partie. Résultat énorme pour Annecy. Un succès des Annéciens sur le score de 4-0 sur le terrain de Guingamp. Rendez-vous désormais au match retour.